Bonjour les amis, donc là on est parti pour refaire le montage d'un leurre fait avec des rondelles du plomb embouti dans les rondelles. Et là on a des anneaux brisés qu'on va utiliser pour joindre les rondelles entre elles. Voilà, j'ai un petit peu avancé le montage étant donné que j'ai des difficultés avec ma pince à becquerons pour y poser les anneaux brisés. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je vais aller poser d'un côté un émerillon baril et de l'autre côté on va aller y poser un hameçon triple avec de la laine rouge. J'ai déjà commencé à mettre un petit peu de laine rouge. Il y aura la finition qui sera faite un peu plus tard pour avoir un leurre customisé comme il faut. Voilà, donc là une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à tourner. Voilà, donc là j'ai posé les merillons barils et maintenant il me reste plus qu'à poser l'hameçon triple. Voilà, hop, c'est parti. Je prends ma pince à becquerons, je vais la mettre dans la fente. Je la maintiens, je prends mon triple et je vais aller le poser sur mon anneau brisé. Donc là, j'essaie de bien le maintenir. Une fois que j'ai fait ça, je maintiens, je lâche, je tourne après, comme ceci. Voilà, donc là, j'ai fini le montage. La nouveauté sur ce leurre avec des rondelles, c'est que j'ai un petit peu incurvé la première rondelle et la deuxième pour essayer de voir si ça peut pas modifier un petit peu la nage. En tout cas, voilà, le montage est fini. Il reste plus qu'à tester ça au bord de l'eau. Là, je continue à mettre de la laine rouge et puis voilà quoi. Et on testera ça un peu plus tard.